Salut à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. Je suis blessé. Et oui, malheureusement, c'est les aléas du monde du sport. Ça va être une vidéo assez courte où je vais quand même expliquer comment ça arrivait, pourquoi ça arrivait. Donc, je vais faire très bref parce que j'ai déjà pu faire des débriefings, etc. Mais en gros, au mois d'octobre, j'ai pu participer au marathon d'Amsterdam, que voilà. J'avais clairement atteint mon objectif qui était de 3h30, que j'ai fait en 3h20 et 21 minutes, voilà. Bref, c'est pas la question. J'avais quand même pas mal couru pour pouvoir préparer ce marathon dans les meilleures conditions. J'estime que j'ai vraiment très très bien respecté mon plan. Tout s'est bien passé. J'étais dans mon pic d'entraînement la semaine qui précédait le marathon d'Amsterdam. Je suis arrivé sur la start line en étant super confiant, en me disant « Bah voilà, je vais pouvoir atteindre mon objectif haut la main. Je suis super confiant. » Je vais tout donner. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai eu un très bon résultat. Seulement, ce qui est important de souligner, c'est que la semaine qui a suivi le marathon, bah, j'ai pas fait grand chose. Je me suis dit, là, c'est important d'installer une phase de récupération, ce qui me paraît tout à fait normal. Je faisais des entraînements de vélo qui étaient quand même relativement faciles et non intensifs du coup. Plus de natation parce que c'était plus une période où je faisais des triathlons et tout ça. Donc j'estimais que je pouvais un petit peu laisser la natation de côté. Du moins pour le moment, parce que comme vous avez pu le voir peut-être dans ma dernière vidéo, je me suis inscrit à l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne qui se déroulera fin juin. Donc franchement, j'avais le temps de me préparer. Sauf que suite à ce bon résultat que j'ai pu faire à Amsterdam, bah, c'est clair que ça me titille encore un petit peu de faire des courses, surtout qu'on arrivait en fin de saison. Mais du coup, je me suis dit, je vais me lancer sur la Corrida Bulloise, qui est une course qu'on peut retrouver dans ma ville natale, en quelque sorte, dans ma région, qui est en résumé une course assez simple, on va dire, où c'est des courtes distances. Donc là, pour ma part, c'était le format 8,26 km. Il peut se faire en 6 et en 4 km aussi, si je me trompe pas. Et sauf que c'est des boucles en continu d'un kilomètre. Donc en gros, moi, j'ai fait 8 fois le même tour. Sauf que qui dit petit format de course, dit aussi grand format de course en termes d'intensité. Faut savoir que moi, je suis en principe préparé pour des marathons, pour des half Ironman ou voire même Ironman. Ça veut dire que j'ai cette capacité à effectuer des distances longues, ce qui n'est pas le cas typiquement de la Corrida Bulloise où là, l'intensité, elle joue vraiment un grand jeu. Mon objectif pendant cette Corrida Bulloise, c'était de faire moins de 35 minutes sur 8,26 km. Ce que j'ai aussi réussi haut la main, si je peux dire, puisque je l'ai fait en 32 minutes 50, je crois, un truc du genre. Donc je pouvais vraiment être content, ça faisait une allure moyenne de 3 minutes 56 le kilomètre. C'est le genre d'allure que j'ai jamais pu pratiquer, que ce soit en entraînement ou peut-être vite fait sur des intervalles en fractionné, mais jamais sur du long terme. Et puis là, quand on parle de 32 minutes d'effort à 3 minutes 56, c'est clair que c'est hyper conséquent. Hyper conséquent pour le mental, mais aussi hyper conséquent pour le corps. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cette Corrida Bulloise? Je me suis inscrit, donc je l'annonce là maintenant, je me suis inscrit à l'Ironman Texas 2024. Donc moi, personnellement, ça va être ma première fois aux États-Unis. Je suis super content de pouvoir faire ça. J'ai choisi cette course-là parce que le parcours vélo est assez plat et aussi parce que le parcours marathon, il est en mode rolling, comme ils disent, donc vite fait vallonné. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir faire une fois un marathon où il y a un petit peu plus de dénivelé. Donc voilà, c'est bien joli, j'ai choisi cet Ironman. Mais il faut savoir que cet Ironman-là, il est le 27 avril 2024. Là, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on est le 18 janvier. Et c'est un petit peu la merde parce que je reviens sur la Corrida Bulloise. Suite à cette course, il y a de fortes douleurs qui ont commencé à s'installer au niveau de mes genoux. Et en particulier le genou droit. Automatiquement, je me suis dit, je vais pas avoir de médecin. C'est tout à fait bénin si ça se trouve, c'est juste que j'ai besoin de repos. Donc je me suis dit, pour la fin d'année 2023, je vais profiter de me reposer et de minimiser mes entraînements, surtout dans l'intensité. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais même avec des entraînements peu intensifs, j'ai tout de même constaté que mon genou droit me faisait de plus en plus mal. Je sens un petit peu comme si la rotule et le fémur n'étaient pas à sa bonne position, quoi. Comme si ça se déplaçait, ça fait que de craquer, ça me faisait hyper mal. Et je m'en souviens, ma dernière sortie de course à pied, je l'ai faite mi-décembre. J'ai couru 11 km, mais au 10e km, je ne pouvais plus. Le 11e km, je l'ai fait en marchant et en courant en même temps. C'était vraiment la catastrophe, quoi. Cette fois-ci, pour une fois, j'estime que j'ai dû négliger la récupération, même si je vais toujours chez Michel Morin Massage. Son petit logo juste ici. Je fais une petite promotion parce que honnêtement, c'est vraiment le genre de truc qui m'aide depuis ma vie sportive, ma vie de triathlète entre guillemets. C'est quand même quelque chose que je recommande à tout sportif de haut niveau, si je peux dire. Je suis pas un sportif de haut niveau, mais par contre,
faire des Ironman ou des grosses Spartans ou des marathons, ça reste quand même des efforts ultra compliqués, autant d'un point de vue articulaire que d'un point de vue musculaire, que d'un point de vue mental. Et puis je pense que passer un moment chez un masseur sportif comme ça, ça peut être que bénéfique. Donc je fais sa petite promo là maintenant, mais le but de la vidéo, c'est pas de faire cette promotion. C'est aussi pour faire comprendre qu'au travers du sport, heureusement, on peut se connaître, on peut vraiment apprendre à se connaître, mais jamais à 100%. On n'est pas à l'intérieur de notre corps, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Et puis c'est important de pouvoir calculer ça, de minimiser le plus possible les blessures et les ralentissements d'entraînement. Parce que là, il faut quand même revenir là-dessus aussi. Je suis censé être en plein entraînement Ironman pour le Texas et j'ai été coupé brutalement au plein milieu, donc de mi-décembre jusqu'à mi-janvier. À l'heure où je vous parle, je viens de recommencer le sport, mais ça se résume que aux entraînements de vélo et à la natation. Pourquoi le vélo et la natation? Parce que tout simplement la course à pied, ben ça va me remettre des chocs dans les articulations et ça c'est vraiment pas bon pour mes genoux à l'heure actuelle. Je suis des séances de physiothérapie, malheureusement il n'y a aucun diagnostic qui a vraiment été encore posé à l'hôpital. J'ai pas eu de diagnostic fiable et ce que disent les orthopédistes, c'est que j'ai une lésion au niveau du cartilage de la rotule. Ce que je comprends pas, c'est que quelques semaines suite à l'apparition de ce problème au genou droit, il y a aussi le genou gauche qui a commencé à avoir des problèmes. J'avais du liquide, on m'a fait plusieurs ponctions. Plus le temps avance, plus je me dis, mais je me demande si je suis pas en train de souffrir de polyarthrite, d'arthrite, voire d'arthrite sceptique. Alors je vais pas entrer dans les termes scientifiques et tout, surtout parce que je suis pas médecin, mais l'arthrite sceptique, je pense qu'elle est complètement écartée parce que j'ai pas eu de fièvre tout simplement ces dernières semaines. Mais du coup, pour revenir sur mes entraînements que je recommence là actuellement, et ben le vélo, bah je peux pas faire des sorties longues. C'est clair que le genou, au bout d'un moment, il tire la gueule. Là, ça se résume à simplement des sorties Zwift de 30-40 minutes, pas plus. Il faut surtout pas que je craque mentalement et que je me dise mais non, je suis capable de faire plus et tout ça. Oui, là-dedans je suis peut-être capable, mais d'un point de vue articulaire, c'est mieux de freiner un petit peu et de se dire qu'on va laisser le sport un petit peu de côté. Là, je fais du sport un jour sur deux à partir de cette semaine justement. J'ai pu aller faire une séance de natation de 2300 mètres hier, uniquement en crawl parce que les mouvements de brasse, c'est impossible avec les jambes, ça me fait vraiment trop mal. Et même après 2300 mètres, j'ai pu faire en 45 minutes, je crois. Là, j'ai tout de suite remarqué que ça devenait quand même assez compliqué pour ma jambe. Voilà en gros un résumé de mes séances. L'Ironman, il est maintenant dans 3 mois. Mon objectif ultime, c'est de pouvoir passer cette ligne d'arrivée. C'est vraiment le plus important pour moi. Même si malheureusement, je dois avouer qu'en m'inscrivant à cet Ironman, je cherchais à performer un minimum, étant donné que ce sera mon second full Ironman. Alors, est-ce que c'était le but d'aller chercher une place qualificative pour l'Ironman d'Hawaï? J'en sais rien. J'aurais pas craché dessus si c'était arrivé. Mais disons que c'est plus l'objectif maintenant, puisque je suis blessé. Donc là, il faut que je fasse un gros travail sur moi-même, sur mon plan d'entraînement, parce que mon plan d'entraînement, il allait jusqu'à des semaines d'entraînement de 18 heures, et là, je suis bien conscient que ce sera pas possible, quoi. Voilà, donc la vidéo, elle était assez courte, je vais pas aller plus loin. Là, moi, je vais continuer mes séances de physiothérapie, je vais avoir mes rendez-vous chez les orthopédistes à l'hôpital et tout ça. Je vais y aller gentiment, je vais essayer de vlogger un petit peu pour voir, ça peut être intéressant de voir sous la blessure comment je peux gérer mon plan d'entraînement. Je pense pas que je suis en train de faire ça inconsciemment, parce que j'ai vraiment rien fait, aucune activité sportive pendant un mois. Les moments où c'est le plus douloureux pour moi, c'est quand même le matin au réveil. Et puis je sens très bien qu'il faut que je bouge justement pour ne plus avoir les douleurs. Là, on est début d'après-midi. J'ai plus aucune douleur. Par contre, ce matin, c'était la catastrophe. Donc en fait, ce qu'il me faut, c'est quand même bouger, mais minimiser tout ça. Je vous tiendrai au courant sur des prochaines vidéos. L'Ironman Texas va être vlogué, ça c'est sûr. Il y a les Sables d'Olonne un peu plus tard dans l'année. Je croise les doigts pour que tout rentre dans l'ordre. En tout cas, je fais tout pour. Ah oui, juste une petite précision aussi, je suis assez doué pour faire de la promotion pour mon masseur sportif, il n'y a pas de problème, ou pour vous encourager d'aller faire des séances de massage. Par contre, c'est vrai que j'ai remarqué que je faisais peut-être pas assez de promotion pour ma chaîne. J'avoue, je suis pas très doué pour ça. Moi, j'ai pas envie de vous inciter à vous abonner à la chaîne ou à me rajouter sur Strava ou sur Instagram. À chaque fois, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos, je mets toujours mon Insta et mon Strava. Vous êtes clairement pas obligé de les suivre. Je le dis une fois là, mais n'hésitez surtout pas à commenter ou à suivre ma chaîne, suivre ce que je fais un petit peu sur Insta ou sur Strava. Et puis voilà, je vais pas continuer à vous barber dans mes vidéos, à faire de la promotion pour ma chaîne, parce que vous faites tout ce que vous voulez, hein, j'estime. Et puis voilà, on va pas aller plus loin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Restez sport, c'est Iron Suisse. Ciao.